Bah, il veut se battre là. Docteur, il veut se battre contre toi. Hein. Contre moi? Oh les. C'est ouais, les animations, elles sont incroyables. Hein. L'animation du Spino. Il a il faut que tu regardes le crouch ou du scent du Spino, c'est assez intéressant. Bah il va le faire. Ah oui, pas mal ouais. Le Rex il est aussi en crouch. Ouais ouais j'ai vu que le Rex. Et ça y est, il y a cassé la patte. Vas-y, je vais l'oublier du combat. Ouais, bah le Rex Hippo, il est aussi cheaté que le Rex normal, quoi, en gros. Ouais. Bon, il est mort, là, Spino, presque. Ouais, normalement, ouais. S'il continue le combat, le Spino il est foutu là. Aïe, j'entends que tu prends des dégâts. Bah ils vont pas aller jusqu'à la mort quand même. Ah ça y est. Il vient de faire un... Ouais. Petit cri de peur. Le Spino a l'air plus grand hein, que le... Ouais, ouais ouais il est plus grand. Il est tout pété là. Ouais. Ouais même l'animation il se tient d'une main. Ah il a pas de cassé. Ouais. C'est ouf. Après faudrait voir que ça donnerait une patte pétée sur le Rex mais bon. Ouais mais c'est impossible. Ah il faudrait un autre Rex. Ouais. Qu'est-ce que je lag. Vache. Du coup ouais, j'ai même pas réussi à capter sa rotation si elle était bonne ou pas. Elle a l'air mieux mais après ça dépend si c'est le jouer bien ou pas hein. Mais. Le Rex, c'est vache. Il s'est réparé la patte. Ouais, il se répare assez vite la patte. Hein, attends, mais c'est abusé, ça a été super rapide. Il a mordu là. Je crois pas. Non, ils se font des passages. Ah, ok, d'accord. Il montre qu'il fait des dégâts juste en courant en fait. Ah, bah là, c'est pas en courant ça. Là, il y a un coup dedans, là, on a vu. Là. Oh, on se calme. Il veut quoi le Spino là? Il veut que je le bouffe. Je crois qu'il fait 28 mètres si je me souviens bien. Le Spino, c'est poche. Ah oui. En long. Contre, je crois que c'est 14, en 13, 16 mètres selon pour le type le normal. Mais j'avoue, elle est abusée là, les mottes de sentir pour la. Mais pour les deux même hein. Elle est super belle, ouais, elles sont super belles. Il se met debout, il se utilise ses pattes avant et tout. Ouais. C'est incroyable. Pour conclure, ces dinosaures sont ultra cheatés quoi. En plus d'être très fort, très gros, machin et tout ça. En plus de ça, ils ont des stats de régène et tout qui sont incroyables quoi. Ouais mais à la limite tu vois ça pourrait être des concurrents de Puerta ça. Bah, des trucs qui tuent que les Puerta. Ouais, c'est le seul truc qui pourrait les tuer. Ou le Carnotipache, les Kama. Ouais. En AVR. Ouais. Ouais, les Carnotipaches ils ont l'air vénère, ils tuent des Rex faciles et tout aussi. Hein. Des vrais. Hein. Des Rex full adultes, un Carnotipache ça les tue. Hein. Mais le Carnotipaches on avait un la dernière fois, et il courait à une vitesse, c'est incroyable. Ah, mais c'est ça, mais même ceux-là, t'imagines le Rex 47 km/h. C'est fou le bizarre. Docteur va revenir à Hippo Giga. Ah oui, il va faire le fight contre Hippo Giga, mais il va faire nuit. Ouais.
Moi, je serais plus là pour le voir parce que je me... Et ils sont où? Ça gueule de partout. Ils vont se battre. Ouais, tu sais que j'entends, je t'entends même pas tellement ils font du bruit quand ils gueulent. Ah ouais. Bah, les Spino. Le type H qui donne le... Allez, je vais crever 100% dans ce combat, c'est obligé. What the fuck? Allez, je peux passer loin. En fait, je l'ai fait chier au milieu, quoi. Vas-y, défonce-le. What? Eh, les crocs du Spino, ils passent à tellement proche de moi, quoi. En plus, c'est vrai qu'il te casse la jambe. Il te tue, lui, si tu cours dessus, là. C'est vrai. Un peu dangereux d'observer ce combat, quand même. Ah bah. Bon, on va voir qui va faire le cri de peur, hein, surtout. Hein. Moi je parie sur le Rex. Hein. Tu penses que c'est le Giga qui va. Parce que là c'est Giga vs Spino là. Ah non, c'est. Alors là je pense que c'est le Spino là pour le coup. C'est moi, vrai que j'avais oublié que c'était pas c'est le Rex qui est parti. Moi je pense que c'est. C'est Spino qui va perdre. Hein. Après, non, mais après, ouais, non, non, non. Il se fonce dedans. Là il se fonce dedans. Mais après, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Si le giga il met autant de saignements, tu vois, proportionnellement, que le normal. Bah, c'est le giga qui gagne, quoi. Oh, j'ai failli. Bah, logiquement, s'ils font des passages, c'est quand même le Spino qui gagne. Ouais, ouais, mais s'ils font que des passages, c'est le Spino, il a plus de. Ouais. Logiquement, ouais. S'ils jouent sur la maniabilité, sur le tour de tour, c'est aussi le Spino. Enfin, sauf s'ils sont différents, un peu les trucs normaux, mais. Ils sont sympas parce qu'ils essaient de faire des images pour la vidéo. Là, je leur avais demandé un service par rapport à ça. Mais ils sont super sympas parce que je vois que. Ouais, ils sont pas. Du coup, je vais essayer de pas montrer leur pseudo quand même. Ouais, tu leur donnes un petit cadeau de remerciement, un ban def du jeu. Bon, ben voilà, c'était ça en fait. C'était ça, voir des... Bon, un petit Maya qui arrive. Voir des bons types H là, se foutre sur la gueule. Ben, c'est la première fois que j'en vois. Ben, j'espère que ça vous aura plu d'en voir et de checker un peu ce que sont ces bestioles, les cris, les dégâts qu'ils font, leur poids et tout ça. Voir un peu comment ils se comportent aussi, ces types H. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant d'avoir la possibilité de vous montrer ça. Donc on remerciera grandement tous ceux qui ont participé à la vidéo, tous les dinosaures type H qu'on a pu voir. On remercie aussi notre hôte. Donc je te remercie grandement. J'essaie d'éviter de dire les pseudos parce que on sait pas s'ils peuvent se faire bannir ou pas. Donc je vous remercie grandement à tous d'avoir été là, d'avoir permis cette vidéo. Et je vous remercie vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Tchuss tout le monde!